Le député de la 8e circonscription électorale Adam Bagoudou et le comité communal du bloc républicain de Tchaourou face à leurs militants ce dimanche 30 août 2020 à Tchatchou dans la commune de Tchaourou. Objectif, restituer les activités des instances statutaires de ce parti aux militants élus locaux venus de tous les arrondissements. Le bloc républicain a tenu ces derniers temps des instances statutaires, notamment au niveau du bureau politique et du bureau exécutif national. Et il y a de grandes décisions qui ont été prises, de grandes orientations qui ont été données. Et il était bon que nous puissions venir partager ces préoccupations avec la base, avec les militants. C'est donc la raison pour laquelle nous avons convoqué la réunion de ce jour, où on a convié tous les militants qui ont animé les ex-coordinations de campagne communale au niveau arrondissement et au niveau communal. Plus quelques personnes ressources, ce qu'on appelle donc les grands électeurs, qui ont accompagné le processus durant donc les communales et aussi les législatives. Nous avons donc rappelé donc cette activité et dit toutes les diligences que cela appelle au niveau de chaque commune. Dans le cas de la commune de Tchaourou, on a profité de cette occasion pour adopter un plan de travail qui permet donc de dérouler tout le processus qui va se passer pour l'installation de cette structure, à commencer donc par l'actualisation de la liste des adhérents, l'installation des comités de supervision et les élections au niveau local, au niveau arrondissement, au niveau commune. Au terme de cette séance de restitution, un comité communal du bloc républicain a été installé. Il aura pour mission de superviser l'actualisation de la liste des adhérents BRPA Village et l'installation des instances locales du parti. Nous venons d'installer le comité communal pour superviser l'actualisation d'abord de la liste des militants dans la commune et superviser l'installation des différentes structures, c'est-à-dire les cellules au niveau village et quartier de ville, les sous-sections au niveau d'arrondissement et les sections au niveau communal. Donc superviser l'actualisation de la liste des militants et superviser l'installation des différentes structures de base. Les participants tous acquis à la cause du bloc républicain se disent mieux outillés après cette séance. Ce compte rendu est décliné sous forme d'une feuille de route pour une période donnée et pour des activités très bien définies. Parce que qu'ils nous souviennent que pour tout parti qui se veut fort doit s'organiser et à travers ses organes. On a vu qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Puisque le grand travail, c'est au niveau de la base. Aujourd'hui, la restructuration de la base nous permettra de mieux travailler. Voilà ce pourquoi je suis un peu content de cette restitution. Le bloc républicain sous la supervision de l'honorable Adam Bagoudou vient de franchir un grand pas dans les préparatifs de l'élection présidentielle de 2021.